Merci, Seigneur, au nom de Jésus.
jamais. Amen. Et que ton nom soit célébré à jamais. Amen. Dans nos vies, sois glorifié. Yes. Dans nos familles, sois glorifié. Dans nos êtres, que tu sois célébré. Le Dieu éternel, le Dieu de toute éternité. Oh, sois béni. Le Dieu des cieux, le Seigneur de gloire, le Dieu éternel. Celui qui dit une parole et la chose arrive. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Seigneur de toute gloire. Le Dieu de nos vies, l'artisan de nos paix, l'artisan de notre joie, l'artisan de notre bonheur, ô le Seigneur de nos âmes, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi qui vis dans un âge, à toi qui vis en perpétuité, nous venons adorer ce soir, Seigneur. Nous venons louer ton nom ce soir. Nous venons te célébrer le pied de tes soirs. Le Dieu de nos réussites, le Dieu de nos espoirs, alléluia, au soir de nous. La matin, le Dieu est à ma vie, à ma vie, le secours pour ma vie, à 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 ma vie, prépare-toi dans une autre atmosphère, bien-aimé, monte au nom de Jésus.
Il y a une onction pour ta délivrance ce soir. Il y a une onction pour que la gloire de Dieu t'atteigne ce soir. Crois à ça au nom de Jésus. Ramasse ce qu'il y a. Commence à honorer le Seigneur qui va accomplir les grandes choses dans ta vie. Si tu crois qu'il va faire les grandes choses, commence déjà à les célébrer. À lui dire comment est-ce que tu les considères. Alléluia. Monte au nom de Jésus. Et ramasse, Laisse-toi puissant, laisse-toi le Seigneur de grâce, laisse-toi le Seigneur de gloire.
Attends-toi à l'exaucement de ta prière ce soir. Amen. Sois spécial.
spécifique dans tes prières. Amen. Sois spécifique dans tes, requêtes. Amen. Il y a une grâce particulière ce soir. Yes. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne rate pas ton temps. Yes. Ne rate pas cette soirée bien-aimée. Yes. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Rien n'empêchera Dieu d'agir. Notre Dieu ne dépend pas de l'économie de ce monde. Il ne dépend pas de la politique de ce monde. Il ne dépend même pas de pandémie ou de confinement. Jésus. Il agit et personne ne l'empêche. Personne. Alléluia. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui existent. Je voulais que tu aspires à voir ta gloire. Qui te démontre sa grandeur ce soir. Rabat-toi, Bobo et Santé. Que le sang de Jésus te lave. Et que rien ne t'empêche de saisir ta pensée aujourd'hui. Merci pour le sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment va te purifier dans ta conscience? Comment va te purifier? Rabat-toi, 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 Rabat-toi. Merci pour le sang. Je suis au nom de Rabat-toi. Merci pour le sang. 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 Le sang de Jésus te lave au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
approche-toi avec une conscience pure au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde sa grâce dans sa totalité au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu n'as pas changé. Tu es le Dieu de miséricorde. La Bible me dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Amen. Amen. Agrègue mon frère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agrègue ma soeur au nom de au Jésus. Au nom de Jésus. Et que nos requêtes, ô Dieu de gloire, soient réussies dans ton trône. Amen. Que dans ton conseil, siégeant, que tu délibères à notre faveur. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton onction se révèle avec éclat. Amen. Ratisamaraba. Rotokomo yabasante. Les bras d'accord yabase que chino yabarakantaba. C'est comme amarabayaba. Rien n'est impossible, Seigneur, à toi. Amen. Tu es le Seigneur des impossibles. Yes. Seigneur, tout ce qui semble impossible dans la vie de ma sœur, ce soir, au nom de Jésus, j'ai pris une grâce exceptionnelle de ta part, une intervention surnaturelle. Seigneur, que l'on s'étonne de ce que tu feras ce soir, au nom de Jésus. Que l'on s'étonne de ce que tu vas accomplir dans la vie de cette famille, au nom de Jésus. Que l'on s'étonne, Seigneur, de ta gloire dans les corps de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car aujourd'hui, toute malédiction va tomber. Amen. Aujourd'hui, c'est la fin, Seigneur, des malédictions. Amen. Que ces chaînes-là tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les esprits impies tremblent là où ils sont. Au nom de car Jésus. Toi, tu t'élèves Dieu Tout-Puissant. Amen. Et que ta gloire se répande maintenant. Amen. Dans la vie de quiconque qui est sous ma voix maintenant, au nom de Jésus. 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 Prépare-toi, bien-aimé, à recevoir ta gloire. Amen. Prépare-toi à recevoir au nom de Jésus. Ta délivrance est prête ce soir au nom de Jésus. Je l'établis par la parole de Dieu, par la puissance de sa gloire qui règne à nous au nom de Jésus. J'établis ta délivrance. J'établis la solution à ton problème. Amen. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire soit à notre Dieu. Amen. Qui opère cela maintenant. Amen. Qui opère cela maintenant. Amen. Qui opère cela maintenant. Amen. Dans sa gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute cette situation qui a perduré. Que cette situation qui a perduré. Que cette situation qui résiste aujourd'hui. Qui te met dans la frustration. Mandira poro gabara santi. Le kramara conti rabra santa maraba. Rotomo ya gaba santi. Que ce soit ce soir, la soirée que tu attendais depuis longtemps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette porte s'ouvre devant toi au nom de Jésus. Amen. Ramatea. Touche à ton exaucement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que la gloire soit à ton Père. Amen. Qui vit à jamais. Amen. Qu'il mette sur tes lèvres un chant nouveau. Amen. Qu'il mette sur ton lèvre un sourire incomparable. Amen. Ramate rege yabasanta. Amen. Rom nomo yabake te lèvre. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons écouter une exhortation, après nous allons prier. Amen. Prépare-toi à rentrer dans les champs de ta victoire. Amen. Ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons lire un passage qui nous montre dans le cœur ce soir. Avant d'y aller, vous savez, bien aimé, aujourd'hui c'est un vendredi 19. Aux États-Unis, on célèbre les Juneteenth. C'est une fête populaire. C'est à un jour comme celui-ci que le dernier esclave noir a été rendu libre. C'était un moment mémorable et de gloire
sans changer. Pour d'autres, c'était l'exaucement de leur prière. Ils attendaient ce moment-là où on devait les délier de leur chaîne, où ils pouvaient enfin se considérer comme humains, comme tout autre humain. L'esclavagisme nous montre un peu l'oppression que le diable met sur les hommes. Que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, sur les plans spirituels. En fait, tout ce qui se passe naturellement dans le monde physique n'est que le reflet des réalités spirituelles. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Amen. Amen. L'esclavagisme, c'est quelque chose d'odié, c'est quelque chose de misérable, c'est quelque chose de terrible qui puisse exister. Parce qu'un esclave n'a même pas d'identité. Un esclave n'a même pas de personnalité. Il n'a même pas de droit. Son maître ou celui qui le possède, au fait, le considère comme un bien. Ce n'est pas une personne qui peut être libre pour le moment, mais spirituellement, tu es encore lié. Il y a un domaine dans ta vie où tu ne jouis pas très bien de tes droits. Tu ne jouis pas très bien de tes droits dans ce domaine-là. Tu vis comme si tu étais sous les jougs. Tu vis comme si tu étais sous une oppression quelqu'un. Alors que tu fais partie des rachetés. Je parle aux enfants de mon Père, à celui que le Seigneur Jésus-Christ est venu racheter. Je te rappelle que le Seigneur a versé son sang. Pendant qu'il était ici-bas, notre Seigneur n'a même pas utilisé son nom pour te sauver. Alors qu'il avait, il a porté le nom qui était au-dessus de tout autre nom. Il n'avait pas utilisé son nom. Il est parti par des voies les plus atroces. Écoute-moi, bien-aimé. Il a versé son sang. J'attends un cœur dire alléluia. Il a versé son sang. Il fut crucifié, il a donné tout son corps. Pour que ton salut soit scellé et que ta délivrance soit complète. Écoute, nous nous cesserons de nous souvenir de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est ça, tout ce que nous possédons comme preuve de notre rédemption. Et à partir de cet événement, le Seigneur nous a rendus libres. Libres. Ce jour-là, à la croix, il a accompli toutes les nécessités, toutes les procédures légales pour que toi et moi, nous jouissons pleinement de notre liberté. Dites amen. Et le Seigneur te reconnaît aujourd'hui comme participant à la gloire de Dieu. Qui est une race élue. Qui est quelqu'un de considéré. Dis amen. Écoute, s'il y a quelque chose qui résiste aujourd'hui dans ta vie, c'est parce que tu le tolères. Mais je veux qu'aujourd'hui, tu possèdes ta délivrance. Parce qu'il y a quelqu'un, un homme ou un parvier qui te parle, crois à ce que je déclare. Aujourd'hui, tu peux changer beaucoup de choses dans ton histoire. Aujourd'hui, tu peux modifier le parcours de ta vie d'une certaine manière. Parce que le Seigneur est en train de répandre une onction particulière. Amen. Je le crois et je le sens au-dedans de moi. Amen. Je voulais partager avec ton cœur. Parce que si tu ne pries pas avec aspiration, rien ne se produira. Alléluia. Amen. Je te dis qu'aujourd'hui, il y a un plan de Dieu pour ta délivrance. Aujourd'hui, il y a un plan de Dieu pour que les circonstances qui entourent ta vie se modifient. Amen. Aujourd'hui, un soleil va se lever
dans la vie de quelqu'un, dans le foyer de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, dans le business de quelqu'un, dans quelques domaines que ce soit, où il y avait encore des ténèbres dans ta vie, se lèvera aujourd'hui le soleil de la gloire pour illuminer tout ce qu'il y a dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas jouir de ta liberté complète au nom de Jésus. Je voulais mettre ça dans ton cœur pour que tu commences à refléter cela dans tes prières. Parce que nous sommes venus prier et pour avoir la délivrance, l'exaucement à nos prières et la victoire tant recherchée. Si tu doutes, quitte cette prière. Ce n'est pas une prière, une séance, une session de personnes qui doutent. Nous ne sommes pas en train de faire un show ce soir. Je t'amène devant le Seigneur de l'impossible, de celui qui possède toutes tes voies, de celui dont le trône est inébranlable. La Bible dit, la Bible l'appelle le Père des Lumières. Oh, auprès de qui il n'y a aucun ombre de variation. Il reste constant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa puissance n'a jamais varié. D'un seul degré, il a encore toute la puissance pour te sauver. Écoute bien, aimé, Dieu ne dépend pas de la politique. Dieu ne dépend pas de l'économie du monde. Dieu ne dépend pas des circonstances du moment. Souviens-toi ce jour-là en Égypte, au jour de Moïse. Alléluia. Il y avait du ténèbre en Égypte. Dans la même région, au même instant, dans une autre zone, dans une autre province qu'on appelait Goshen, là, il n'y avait pas de ténèbres. Tu vois ce que ton Dieu peut faire? Il y a des ténèbres partout, mais quelque part, le soleil brille, le soleil luit, le soleil donne la lumière. Alléluia. Dans une même contrée, il y a des sauterelles qui mangent et qui détruit toute la végétation. Mais dans une zone, on a mis une frontière spirituelle. Les sauterelles ne peuvent pas traverser et aller là-bas. Je te dis que Dieu peut te mettre à part. Il ne dépend pas des conditions de l'air. Il ne dépend pas de ta philosophie. Il ne dépend pas des pensées humaines. Il est Dieu. C'est lui, il a dit, la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui crée des circonstances. C'est lui qui crée des temps. C'est lui qui crée des occasions. C'est lui qui crée des moments. C'est lui qui produit les événements. Il est Dieu et il n'a pas changé. C'est encore lui. En Égypte, lorsque tout le monde pleurait, il y a des gens qui faisaient la richesse. Mon Dieu peut te distinguer pendant ce moment de pandémie, bien-aimé. Je te dis que pendant ce moment, il y a des gens qui se retrouvent. Il y a des gens qui font de l'argent ce moment ici. Il y a des business qui se sont créés pendant ce moment ici. Il y a des personnes qui se sont vues élevées pendant ce moment ici. Alors qu'il y a d'autres qui croupissent dans les malheurs, dans les troubles, qui manquent, qui sont dans les tourments. Il y a d'autres qui sont morts. Toi qui es là, Dieu t'a préservé. D'autres qui sont contaminés dans les lits d'hôpital, toi qui es là, c'est tu peux acclamer, tu peux chanter et glorifier le Seigneur. Dieu t'a réservé pour ce moment comme celui-ci. Est-ce que tu ne crois pas que Dieu peut créer une différence dans ta vie? Ah, j'attendais quelqu'un dire, c'est moi, aujourd'hui, le Seigneur va faire ça dans ma vie. Ramasse ça. Écoute, ça ne fait pas que des conditions de ta foi. La façon dont tu es excité, je ne vais pas te forcer à faire les choses, mais que ce que j'annonce crée une dynamique dans ton cœur et que tu commences à te voir dans la station de ta vie, que tu commences à te voir au-delà du ténèbre qu'il y a aujourd'hui. Commence à voir, à sentir ce vent nouveau que le Seigneur est en train de souffler, qui rentre dans ta vie, qui rentre dans ton foyer, qui rentre dans ta maison, qui rentre dans l'histoire de ta vie et qui chambarde de tout, qui change tout en ta faveur. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À Gossel. Alors que tout l'eau était tournée en sang et là-bas avait de l'eau potable. Amen. Le Seigneur peut créer des différences. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te prendre toi. Amen. Dans ce moment ici, on établit tout ce que tu cherches. Amen. Et Dieu t'établit dans tes droits. Amen. Aujourd'hui, nous déclarons la fin de ton esclavagisme. Amen. La fin de ton courroux. Amen. Que toutes les chaînes
toutes les chaînes tombent de ta vie. Au nom de Jésus. Que les malédictions d'autrefois soient clouées aujourd'hui. Au nom de nous Jésus. Nous anéantissons cela. Tu ne vas plus parler de ces choses. Tu ne vas plus parler de ces symptômes, de cette maladie-là. Tu ne verras plus ça. Tu ne verras plus la manifestation de cette maladie dans ton corps. Oublie les symptômes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Amen. Mandera ba conto. Au nom de Jésus. Resta marasa que le bene ba conto. Roko moya ta marasa que le bene na ba. Brasa ka mara pombo ya marasa. Le blocage. Le roko na mara ba conto mono na ba. Au nom de Jésus. Le bene na ba pombo ya marasa. Le bene na ba. Qu'est-ce qui résiste? Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui résiste? Les limitations. Au nom de Jésus. Malgré la bascente. Au nom de Jésus. Sur les plans de business, j'étais tapis aujourd'hui. Amen. Il va commencer, ça va fleurir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui est impossible, oublie ça. Ce n'est plus impossible. Amen. Tout devient possible pour toi. Que le Seigneur l'ouvre cela aujourd'hui. Que le Seigneur t'ouvre cela aujourd'hui. Que le Seigneur t'ouvre cela aujourd'hui. Qu'il ne fasse monter, bien-aimé. Il est le Dieu qui fait monter. Il est le Dieu qui prend de la poussière et qui l'élève. Il met dans les trônes. C'est celui-là qui a intervenu au jour de David. Alors qu'il paissait les agneaux de son père, il ne savait pas qu'un jour, les cinq jours-là de David a commencé. Il a envoyé Samuel. Oh bien-aimé, contre toute attente, alors que son père ne s'attendait rien, alors que ses frères ne s'attendaient de rien, David recevait la percée de sa vie. Amen. Qui va l'amener jusqu'au trône. Amen. Un processus va commencer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui t'amène au sommet de ton élévation. Yes. Qui t'amène à la restauration de ton identité. Amen. Qui t'amène à jouir des biens que le Seigneur a préparé pour toi. Amen. Et que rien ne va t'empêcher. Amen. Les choses vont commencer à se passer comme sur les roulettes. Au nom de Jésus. Reçois cela au nom au de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. David ne savait pas. Il était dans ses habitudes. Mais ce que nous savons de David, il gardait la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a vu. Amen. Au jour des Corneilles, la Bible dit Dieu s'est souvenu de tes aumônes et de tes offrandes. Peut-être que tu as déjà semé beaucoup pour ces problèmes-là. Que le Seigneur se souvienne de tes semences. Amen. Qu'il voie tes offrandes. Amen. Et qu'il considère ta fidélité. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et chante un cantique pour vous. Amen. Dans les champs des batailles aujourd'hui, là où Dieu va t'établir, il y a quelque chose que le Seigneur m'a donné. Nous allons lire d'abord le livre des Hébreux, au chapitre 11. Le verset 10 nous dit ceci. Hébreux, chapitre 11, verset 10. La Bible dit, pour l'avoir possédé, c'est-à-dire la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons. Dis avec moi, je reconnais. Je reconnais. Reconnaître, c'est pas connaître. Reconnaître, c'est se rendre compte. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Est-ce que tu as dit ça avec moi? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu.
de sorte que, en sorte que, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Le monde a été créé par quoi? Par la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu a de l'autorité sur tout ce qui est création, sur tout ce qui a été créé. Il n'y a rien qui ne puisse obéir à la parole de Dieu. Rien. Tout ce qui est créature obéit à la parole de Dieu. Vous savez que même les sorciers opèrent par la puissance même de cette parole-là. Amen. Parce que rien de ce qui a été créé n'existe par elle-même. Mais la parole de Dieu a de l'autorité sur tout pouvoir, sur toutes les dominations, sur tout ce qui existe. Parce que tous tirent leur substance de cette parole qui a été sortie et qui a créé tout. Amen. Amen. Maintenant, nous nous possédons cette parole. Amen. Et ils utilisent ça. La puissance de cette parole, ils utilisent ça comme par les faits. C'est-à-dire, c'est là parce qu'ils ont, ils se sont retrouvés dans ça. Yamba raconte, reste généralement. Je vais parler pour que tu m'écoutes. Nous nous possédons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a été donnée comme testament, comme héritage. Amen. Nous en avons les droits d'utiliser. Et par contre, profite de ça. Toi, tu peux utiliser la parole. Nous sommes différents. Quelqu'un m'écoute et me comprend. Alléluia. Il y a un secret dans la parole. Nous avons dit ça. La parole contient une puissance. La parole peut faire plus de mal que les coups de poing. La parole peut provoquer des émeutes que n'importe quelle armée ne peut résister. Écoute ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 54, au verset 17. C'est là la spécificité de ta prière ce soir. Et comme j'ai toujours dit, lorsque nous donnons un verset, nous donnons une exhortation, tu prends ça, c'est ta propriété, le lot de la semaine, tu vas prier au travers de cette exhortation-là. C'est ce que le Seigneur t'envoie. Prends ça comme ton héritage et jouis de cela au nom de Jésus. Amen. 54, verset 17. Quelqu'un peut lire? Si vous êtes prêt, si vous êtes rapide. La Bible me dit ceci. Je lis dans ma Bible. Ésaïe chapitre 54, verset 17. La Bible dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. La Bible n'est pas dit que c'est Dieu qui va condamner, mais c'est toi qui vas faire quoi? Condamné. Ce soir, je vais te donner l'occasion de prier pour condamner toutes les langues qui s'élèvent en justice contre toi. Quand on dit s'élever en justice, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'accusent, ou bien il y a des gens qui te condamnent, ou bien encore il y a des gens qui parlent et qui veulent que les choses s'établissent dans ta vie. Écoute-moi, mon frère. Quand le Seigneur mettait ça dans mon cœur, j'ai pensé que ça me concernait. Et lorsque je priais pour ce culte, le Seigneur me convainc encore de venir partager ça avec toi. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Amen. Je ne sais pas. Il y a des gens, peut-être de loin, que tu n'y connais pas. Parce qu'à ce moment où nous sommes en train de faire le culte,
tu ne connais pas qui sont en train de causer et qui parlent pour toi. Ils sont dans quelle position? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils se disent? Amen. Amen. Mais n'importe, qu'importe où qu'ils soient, qu'importe ce qu'ils établissent, mais sache que si tu es dans ce culte, c'est parce que Dieu a voulu que tu écoutes ça. Amen. Il y a des gens qui parlent contre toi. Aujourd'hui, toi, tu vas t'élever pour condamner toutes tes justifications, c'est-à-dire toutes les preuves qu'ils soutiennent contre toi. Peut-être qu'ils disent qu'ils sont jaloux de toi parce que tu progresses. Peut-être qu'ils sont jaloux de toi parce que ton foyer est stable. Peut-être qu'ils sont jaloux de toi parce que tu as voyagé. Peut-être qu'ils sont jaloux de toi d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Et ils s'attendent à ce que tu échoues. Ils s'attendent à ce que malheur t'arrive. Ils s'attendent à ce que qu'ils apprennent une mauvaise nouvelle contre toi. Alléluia. Amen. Pendant que toi, tu vas sur Facebook ou sur les réseaux sociaux pour voir et admirer les autres, bénir le Seigneur pour ce qui leur arrive, il y a des gens qui viennent suivre ta page pour voir ce que tu fais. Comment est-ce que tu es devenu joli? Comment est-ce que tu es devenu beau? Comment est-ce que tu t'habilles? Ils n'attendent qu'une publication pour commencer à gronder au dedans d'eux. Ton bien, c'est leur un sujet de malheur pour eux. Et ils parlent. Qu'est-ce qu'ils croient? Est-ce qu'il va arriver là-bas? On verra. Et là, ça commence seulement comme ça. Beaucoup ont commencé aussi comme ça. Beaucoup aussi ont fait ceci. Et sont tombés. Ils ne savent pas que toi tu es distingué. Dieu nous établit là où les gens ont échoué. Amen. Écoute, il y a quelque chose qui trame dans ta vie. S'il y a quelque chose qui commence à naître, ne néglige pas cette petite chose-là qui naît. Le Seigneur te bénira par cette chose-là. Amen. Si les gens ont échoué, si les gens ont fermé dans ce business, toi, tu vas prospérer. Amen. Aujourd'hui, le secret que je te montre, c'est une parole envoyée. Amen. Aujourd'hui, tu ne pries pas vaille et vaille. Tu ne pries pas à l'air, tu pries avec une précision. Amen. Dieu te donne une révélation que tu vas condamner toutes tes paroles qu'on a prononcées contre toi. Amen. Toutes tes paroles qu'on prononce contre toi. Amen. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Australie, en Asie ou ici en Amérique, ces paroles-là, nous allons les condamner aujourd'hui. Que ceux qui ouvrent leur bouche, qui se permettent de parler, de citer ton nom, aujourd'hui, que cette justice tombe sur eux. Nous allons les condamner, qu'ils tombent dans leur propre piège. Ce qu'ils aspirent contre toi, soit leur propre partage. Voilà pourquoi toi aussi, ne parle pas contre les gens. Parce que tu ne sais pas faire. Peut-être qu'ils vont faire la même prière et ça va te retomber. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous ne sommes pas là pour les commérages. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois comment quelqu'un commence à monter, tu bénis le Seigneur. Amen. Parce que toi aussi, ton Seigneur t'a préparé pour l'élévation. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois quelqu'un en train de s'organiser de telle manière et réussir, acclame le Seigneur. Amen. Il dit gloire à Dieu. Parce que toi aussi, le Seigneur t'a destiné pour ça. Amen. Mais s'il y a quelque chose, un grain de jalousie ou un grain de rancœur qui commence à monter au-dedans de toi, neutralise ça au nom de Jésus. Amen. Et surtout, ne broche pas, ne parle pas. Amen. Amen. Parce que ce verset est établi. Ce verset est établi pour les serviteurs de Dieu, que tu es, que je suis. Aujourd'hui, ceux qui ont parlé, ceux qui ont parlé, ceux qui ont osé citer ton nom, ceux qui ont osé aspirer, conspirer contre toi, c'est toi. Je dis qui? C'est toi. Moi. Pas Dieu. Dieu ne dit pas que moi, ton Dieu, je vais les condamner. Il dit toi. Tu vas les condamner.
sanctions. Parce que nous condamnons, il y aura des sanctions. Il y aura des représailles. Toi, tu condamnes, tu es libre. C'est pour ta liberté que tu vas faire. Laisse le Seigneur et cette parole se charger du reste. Laisse cette parole se charger du cours des restes. Écoute-moi, bien-aimé. La parole est efficace. Un jour, le Seigneur Jésus s'est promené dans une ville et un centenier est venu l'aborder. Il a dit, Seigneur, un de mes serviteurs est malade. C'est la première fois que j'ai vu un patron plaider pour son serviteur. Cela veut dire qu'il avait une bonne relation avec ce serviteur. Il a plaidé, non pas pour son enfant, mais pour un serviteur qui était malade. Le Seigneur Jésus lui dit, je viens avec toi dans ta maison, je vais prier pour lui. Le centenier a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais fais quoi? Dis seulement une parole. Écoute, il a demandé seulement une parole, parce qu'il savait que la parole a une efficacité. Et la Bible dit que le Seigneur a sorti une parole. Le serviteur là n'était pas là. La parole est partie jusqu'à la destination. La parole a touché le corps de cet homme-là. À l'instant même libéré. Tu ne connais pas les personnes qui parlent de toi, qui parlent mal contre toi. Peut-être que ce sont même tes frères et tes sœurs de même famille. Peut-être que tes cousins et tes cousines. J'ai vu des jalousies même au sein d'une même famille. Peut-être aussi tes oncles et tes tantes. Peut-être aussi tes demi-frères et tes demi-sœurs. Peut-être tes amis, tes camarades, les membres du quartier. Alléluia. Mais qui qu'il soit aujourd'hui, ton Dieu te donne l'autorisation de les condamner. Peut-être que tu as déjà fait cette prière, mais aujourd'hui c'est une recommandation. Prends ça au nom de Jésus. Prends ça au nom de Jésus. Les paroles que tu vas sortir ce soir vont aller toucher aux cibles pour libérer tes finances, pour libérer tes business, pour libérer tes projets, pour libérer ta santé, pour libérer ton mariage, pour libérer tout ce que tu restes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De la même manière que le Seigneur a prononcé cette parole, il est allé toucher le corps de cet homme-là qui était malade. La Bible dit, lorsque le centenier est rentré dans sa maison, il a demandé, il a trouvé en bonne santé. Il a demandé à quelle heure, lorsqu'on lui a dit à 7 heures, il s'est rappelé que c'est à 7 heures-là que le Seigneur a prononcé ses paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu t'affecte aujourd'hui. Amen. Je vais produire une semence de foi aujourd'hui dans Amen. Ton cœur. Amen. Là où tu me suis, aujourd'hui nous allons faire cette prière. Amen. Et tu verras les effets. Amen. Dans les jours qui vont suivre, tu vas voir un changement en train de s'installer dans ta vie, Amen. De s'installer dans ton corps, Amen. De s'installer dans tes affaires, Amen. De profiler autour de toi. Et la gloire de Dieu va te dessiner. Yes. Crois à la prière de ce soir au nom Amen. De Jésus. Au nom de Jésus. Aura du manifeste. Aura du manifeste. Aura du manifeste. Manifest, 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 manif
Il y a
a un fait qui se lève. Là où tu es. Je vois un fait qui se lève. Là où tu es. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus
que cela soit établi, que cela soit établi, que cela soit établi, que cela soit établi. Oh, merci, que cela soit établi dans ta vie. Amen. Yes. Que la prospérité soit établie. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le bonheur conjugal s'établisse dans ton foyer. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton mariage parfait, Amen. Ton mariage merveilleux s'établisse aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la fécondité s'établisse aujourd'hui dans ton foyer. Partout où tu me suis, reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que la paix véritable s'établisse dans ta maison, dans votre famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que s'établisse dans ta vie. Alléluia. Les progrès dans tes entreprises. Yes. Les portes dans toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Que ton élévation soit établie. Que ton élévation soit établie. Aujourd'hui, je l'établis au nom de Jésus-Christ. Je l'établis au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été stabilisé, tout ce qui a été déstabilisé, soit rétabli ce soir. Soit restauré ce soir. Que ton identité soit restaurée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, lève-toi. Écoute, lève-toi. Commence maintenant à condamner tous les discours, toutes les paroles, toutes les vibrations négatives contre ta vie, contre ton corps pour son bon fonctionnement et que tu sois en bonne santé, contre tes affaires, contre tes projets, contre tes enfants, contre ta maison, contre tes plans. Toutes les paroles qui ont été prononcées, toute intention de nuire contre toi, nous allons les condamner. Bien-aimé, tu vas les condamner ce soir. Je dis, c'est toi qui vas les condamner. Si tu rates cette occasion, tu vas manquer une chance extraordinaire. Tu vas manquer une occasion la plus parfaite. Le Seigneur t'a envoyé cette parole aujourd'hui. Fonctionne par cette parole. Tu ne les connais pas. Qu'ils soient en Afrique. Qu'ils soient en Europe, partout où ils sont, nous condamnons les paroles. Au nom de Jésus, nous prions. Je condamne aujourd'hui toutes les paroles prononcées contre vous. La nuit ou le jour, le matin ou le soir, la journée ou le jour, la nuit ou le soir, la nuit ou le matin, au nom de Jésus, tous les jours. Tout ce qui parle de mauvais, tout ce qui admire au malheur, je condamne les paroles. Je condamne les paroles. Par les noms, contre les enfants, je condamne les paroles. 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 Je les dépouille de toutes ces puissances.
J'irai de la
Je possède dès ce soir la grâce de Dieu dans toute sa plénitude. Au nom de Jésus. Dès maintenant, désormais, le bonheur et la grâce accompagneront chacun de mes pas pour la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas, je ne jouerai pas, je ne serai jamais laqué. Je vivrai la gloire de Dieu. Je serai compté parmi les personnes bénies. Parmi les personnes élevées, parmi les personnes en bonne santé, je suis un canal de bénédiction. Plusieurs personnes seront bénies par ce que j'entreprends, par les travaux de mes mains, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pendant que tu parles. Il y a une nuage qui te couvre. Il y a une nuage qui te couvre maintenant. Qui te déplace d'un environnement vers un autre. Je vois des transferts s'opérer en toi au nom de Jésus. Je vois une nouvelle énergie, une nouvelle fonction qui pénètre ta vie et qui te tire de quelque part, qui te tire de bouffe. Reçois cela au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce accompagnent chacun de tes pas. Que la réussite soit ton partage. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Sois prospère au nom de Jésus. Oui, des faveurs, des hommes et des dieux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai établi cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen.
ce que le diable t'a volé aujourd'hui, je te le restitue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car toutes les paroles contraires à ton aspiration sont tombées aujourd'hui. Il a condamné au nom de Jésus. Il a condamné au nom de Jésus. Il a condamné au nom de Jésus. Aucune influence néfaste n'existe plus dans ton environnement au nom de Jésus. Oh, que cette nuage qui t'a entouré t'amène vers ton destin au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour ses bontés et pour ses merveilles. Prie au nom de Jésus. Sois reconnaissant parce que tu as accepté, tu as reçu des grandes choses. À votre voix, élève le Seigneur. À votre voix, dis merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Dieu fidèle. Merci, Dieu réveillé. Merci, Dieu compatissant. Merci, Père juste. Merci, le roi de gloire. Merci, le Seigneur de l'immortel. Merci, le Dieu de paix. Ah, Maya Garaba. Rasta Kokoyo Bola. Le vrai, le seul et l'unique, le véritable.
qu'il te garde sous ta gloire. Amen. Et qu'il te protège. Amen. Qu'il te porte sur ses ailes. Amen. Et qu'il te fasse jouir de sa gloire. Amen. Dans toute sa splendeur. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette gloire se manifeste tout autour de toi. Amen. Que tous ceux qui t'entourent les connaissent. Amen. Et que l'on voie les signes de sa gloire dans ta vie. Au nom de Jésus. Je prie que cette gloire soit visible au nom de Jésus. Je prie que cette gloire soit spectaculaire au nom de Jésus. Je prie que cette gloire soit remarquable au nom de Jésus. C'est lui qui a dit, vous êtes une ville construite sur une montagne. Que cela s'établisse en toi au nom de Jésus. Et que tu ne passes pas inaperçu. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen. Tout celui qui osera contre attaquer retrouvera le feu de Dieu sur son passage. Je lève au-dessus de toi le feu de Dieu. Amen. Que celui qui osera t'attaquer voie et expérimente les coups de Dieu au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Que cela soit ainsi. Tel que je le déclare. Amen. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Car tu es intouchable. Amen. N'est-ce pas que tu es prince? N'est-ce pas que tu es princesse? Amen. Que les gardes qui sont commis en toi fassent leur travail au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Et qui te défendent valablement au nom de Dieu. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. Sois béni, ma soeur. Amen. Au nom de Dieu. Amen. Devant la gloire, devant l'agneau immolé.